Super Mario RPG. Alors la dernière fois, on était au royaume Nimbus, oui, et on avait retrouvé les parents de Malo. On a appris que Malo, c'était un prince. Un prince. Principe. Je sais pas comment on le voit, ça doit être ça, un principe. C'est pas ça en italien? Bref, pas grave, on va pas trop parler d'autres langues. Surtout que je ne maîtrise absolument point cette façon de parler. Pas près d'arriver hein, pour le coup. Oui, non, on n'a pas tué Valentina. On l'a battue et celle-ci elle s'est enfuie avec son dodo. Oui, c'est ça, avec son dodo qu'elle avait honteusement appelé Malo. Et franchement, les Nimbus, ils étaient pas très fut-fut hein, pour confondre leur prince avec un oiseau. Je répète encore et toujours, buvez de l'eau. L'eau, c'est la vie. Surtout quand on a de superbes gourdes, n'est-ce pas, Marine? Sors tes gourdes Stitch! Dommage, sors la gourde Zelda! Ah, ça, je dis pas le sens contraire, qu'ils sont pas très fut-fut. La dernière fois, on m'avait dit que je pouvais aller aux sources thermales. Bonjour, je veux passer. Eh, mais tu es le vrai prince Malo. Désolé pour le malentendu, j'aurais dû deviner que ce drôle d'oiseau n'était pas le vrai prince. C'est déjà de l'histoire ancienne. Tu crois qu'on peut passer du coup? Bien sûr. Voilà, c'est tout droit. Bon ben. Et attention à ne pas tomber dans le volcan. Ah bah si, on va tomber dans le volcan. Ah si si, ah si si, faut y aller. Faut aller go le volcan. Go le volcan, on va tomber. Il y a une note. Danger. Ne vous approchez pas trop près du bord, vous risquez de tomber dans le volcan. Alors, on en parle de Mario qui plonge la tête la première dans l'eau et qui est tout habillé. Casquette, tout, chaussures, le cuir, il aime pas trop l'eau chaude. Hein. En plus, c'est quoi cet éclair vert? Ça soigne? Let's go le volcan. Et non mais ça je sais, mais t'aurais très bien pu ne pas y aller. Je n'avais pas déverrouillé cette option. Ouais. Ah non, 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 je suis pas forcément d'accord. Le donjon Goron était pas. Ah, quoique. Dans Zelda. Ocarina of Time. Alors, le premier donjon Goron, ça va. Par contre, le deuxième, quand on doit y retourner, j'ai un gros doute. Dis-moi si ce que je dis est vrai ou pas. T'as trop fait les jeux Zelda, toi. On me dit par là. On va déjà aller par là. Aïe! J'aime pas cette 3D isométrique. Mais
chaud aujourd'hui. J'ai du mal. Oui, je t'ai parlé. Je t'ai demandé de me dire si le donjon du volcan dans Zelda Ocarina of Time était long ou pas. Je l'ai fait qu'une fois ce donjon, alors je sais plus trop. Non, c'est le pire, le donjon de l'eau. Le temple de l'eau, c'est une horreur. Il est trop long et trop compliqué pour rien. Alors déjà que je lui fais très peu de dégâts, si en plus il augmente sa résistance, ça va pas le faire. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une anecdote avec le temple de l'eau de Ocarina of Time. Ah oui, mais quand tu le connais bien, Wicked, mais ça vaut... C'est ça le truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est pas quand on le connaît bien que c'est intéressant, c'est justement quand on le connaît pas, et quand on le connaît pas, c'est une mauvaise expérience. C'est comme les Tortues Ninja. Quand tu connais pas le jeu, c'est une horreur. Quand tu le connais, ça va. Personnellement... Quoi? Non! J'ai ma console, elle a crash! Oui! Je reviens. Alors tout va bien, c'est pas ma console qui a crashé, c'est ma manette. Je l'avais pas assez rechargée. Donc je pense à la mettre à la fin du live en charge. Du coup j'ai repris ah, c'est mes Joy-Con. Quand je dis qu'il faut pas fermer les fenêtres. T'es bien,
C'est ça le wiki, t'as pas avoir de soucis avec les niveaux aquatiques, car sont nombreux les joueurs qui détestent ça. Surtout le niveau de la petite sirène dans Kingdom Hearts. Parce que c'est une horreur. J'en connais quelqu'un qui a fait le premier Kingdom Hearts, qui s'est arrêté je crois au boss. Je sais pas si tu l'as fini Marine d'ailleurs, tu me m'ôteras d'un doute. Le niveau de la petite sirène, de mémoire, tu l'as boycotté. Hein. Comment je fais pour ne pas réussir à m'adapter à Mario Bros? La gravité, c'est de la merde. Bien entendu, Mario est inefficace. Ah, je vais devoir vous abandonner au niveau de l'affichage. Hop, et je vous abandonne 10 secondes au niveau du son. Parler de moi, de descendre ou je sais pas quoi. Je sais pas. S'il y a quelqu'un, je recouperai après. Pas grave. C'est pas cool, Tom Tom. C'est pas cool. Pourquoi tu me fais ça? T'es pas sympa. Yoshi. Sera. Si t'es là, c'est que c'est parce que tu veux me voir, donc tout va bien. Ou surtout m'entendre rager. Je suis pas mal aussi. Aller voir ailleurs quoi? Mmh.
Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit tout le temps, on regarde pour le jeu, pas pour le streamer. Je sais plus si j'en ai dans mon vestiaire des squelettes. On va encore parler de maltraitance animale, hein. Ah oui, c'est vrai. Gratis pour ça. C'est souvent que j'ai les objets gratis quand même. Oui, buvez de l'eau. Beaucoup, 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 beaucoup d'eau. C'est rapide. Et je peux vous dire que chez moi aujourd'hui il a fait 30 degrés, donc non, c'est compliqué. Mais vous avez de la vieille pierre, donc ça garde bien la chaleur, c'est pour ça aussi, hein. Mais c'est pas le cas partout. Petite binouze pendant qu'on joue, allez-y. Merde, que j'ai foutu. Ouais, mais après il fait 29 degrés dans la Gironde. C'est chiant les mascasses. Pas mascasse, c'est... Oh, je sais plus ce que c'est pas mascasse. Oh, et il faut que j'arrête moi. Les masques, c'est pas ça du tout, c'est les trucs à la tunique et au masque. Oh là là. Par ici. Save. Et avant de poursuivre, non, un bac à fleurs. Voilà. C'est ce truc qui fait un bruit du tonnerre.
quel perso tu prends? Ah oui. Skeleton, je crois. C'est quelque chose comme ça. Je sais jamais. Déjà? Ah. Ah, Skelerex. Ouais, j'étais pas loin. C'est dans quoi, Skeleton? Oui, il fait chaud dans le sud, il fait chaud aussi dans le nord, il fait chaud partout. La semaine prochaine, tu paries combien qu'on va aller vers la Bretagne et que je vais avoir du mauvais temps? En Normandie, pardon. Je me rapproche de la Bretagne. Parce qu'il y en a qui disent que c'est la Bretagne là où je vais. Genre, je me rapproche de chez Gwenju Gaming. Ah, et finalement, je pars de dimanche à dimanche. Donc, j'aurai pas l'occasion de faire des vide-greniers pendant 2 semaines. Tristesse. Ah non, je vais plus loin que... Je vais près de Saint-Malo. Beaucoup plus loin que Rouen. Oh bah ça après tu te débrouilles Ozaki, hein. Moi j'essaie de te prêcher la bonne parole mais tu veux pas donc La preuve t'es pas reparti bredouille de la brocante de chez toi, je suis sûre que tu seras retourné dans la journée t'aurais trouvé d'autres trucs. Après moi je suis allée, j'ai eu le nez fin, je suis allée sur les vide-greniers ce week-end où il n'y avait personne. Je vais pas réussir à le finir lui. Et à nouveau les... Putain, hein? Sérieux? Et à nouveau les ratisseurs, si c'était la seule brocante du coin, c'est pas très étonnant.
Non, t'as que dalle parce que tu ne forces pas la chance. Je le répéterai jamais assez, hein. Tu ne forces pas la chance. Sérieusement, je vous gonfle? Oh ben, j'en parlerai plus alors. Je vous en fais profiter des bonnes occasions. Donc tout va bien. Tu n'as pas de bol parce que tu ne te lèves pas assez tôt et tu ne te déplaces pas. C'est pour ça que tu n'as pas de bol. Non mais j'ai de la chance pour avoir des tarifs machin, mais pour le reste je n'ai aucune chance. J'ai de la chance que pour les vide-greniers et encore, souvent, j'ai pas de chance. Parce que je vois toujours d'autres me passer devant et c'est chiant. On est trop à chercher maintenant. Les webtoons, ils sont en train d'être imprimés. N'hésite pas à taper sur un webtoon à imprimer. Si tu peux pas lire sur téléphone, ils sont imprimés. T'as plus de raison de pas les lire. Bah pas partout, je suis pas d'accord, j'ai trouvé les deux ce week-end. Mais comment t'es au courant de ça, Wicked? Je te l'ai pas partagé le truc pourtant. Bizarre, étrange, serais-je somnambule? Ah d'accord. J'avais pas calé. Bah oui, il manque des passages en effet. Moi aussi, t'as pas donné tous les prix, hein, la PSP. Ouais, ok, mais il faut expliquer les choses. Alors,
Revenons dans le contexte. Oui, ce week-end, en un vide-grenier, j'ai déjà récupéré environ 10 jeux pour la Wii U, plus une Wii U en boîte, le tout pour 45€. Ensuite, sur cette même brocante, j'ai récupéré plusieurs jeux PS1, PS2 et un jeu GameCube, un Metroid Prime. Metroid Prime 2 de mémoire. Et enfin, j'ai récupéré de la SNES. Les jeux PS1, PS2 plus GameCube, j'ai payé ça 20 balles le lot, il y avait 6 ou 7 jeux dedans. Le SNES, il y avait les Schtroumpfs, il y avait le Sailor Moon et il y avait Pitfall. Le tout que j'ai payé 3 balles, le jeu. Donc ça faisait 9€ le tout. Et enfin, je suis repartie, oui, avec une PSP rouge qui n'a plus de batterie, plus de cache batterie. Le joystick est cassé, l'écran est un peu rayé, mais celle-ci fonctionne. Impeccable. Franchement, elle lit les UMD tout et il y avait 6-8 UMD avec que je compte pas garder parce que ça m'intéresse pas les UMD qu'il y avait dedans et je sais qu'il y a quelqu'un qui cherche à faire un full set PSP donc je pense que je risque de lui refiler. Puis c'est à peu près tout pour ce week-end. J'ai pas trouvé une seule carte Pokémon étonnamment. Enfin si j'en ai trouvé 4 pardon. Si j'en ai trouvé 4 pour le full set de 151 que je n'avais pas. Des cartes basiques. Que j'ai pas payé trop cher. Non, t'as pas à avoir la haine de rien trouver aux acquis parce que tu ne sors pas assez. Tu ne vas pas assez en vide-grenier pour pouvoir trouver des choses. Donc si tu tentes pas la chance, c'est sûr que tu trouveras rien. Moi, je vais en vide-grenier tous les week-ends, c'est pour ça que je trouve des choses. Et j'hésite pas à faire de la route. La preuve, là, je suis allée jusqu'à... J'ai fait quoi 45, une heure de route 45 minutes, une heure de route pour aller sur deux vide-greniers ce dimanche. Donc oui, j'ai trouvé des choses comme ça parce que je me permets de faire de la route. Je suis pas spécialement une nécromancienne des consoles, hein. J'essaie de les réparer quand je peux, quand j'en ai les compétences, mais il y a plein de consoles que j'ai jamais réussi à réparer. Déjà parce que j'ai la flemme d'acheter les composants, ce qui n'aide pas. Alors pas en boîte neuve, hein, il manque des choses dans la boîte. Hein. Oui, moi je fais le boulot pour 15 personnes en même temps. C'est pour ça que j'ai trop de trucs à la maison. Il y a Marine ici présent, il y a Thomas ici présent, il y a Wikit ici présent. Ah, c'est vrai que j'ai plus de batterie là-dessus, c'est pas la bonne manette. Imbécile. Ah mais oui, mais il faut y aller, hein, ne serait-ce même que pour chez toi. Là, par exemple, un truc HS, vraiment hors sujet au niveau jeux vidéo et tout ça. Mais trouvaille de vide-grenier quand même. Je suis repartie, il y a quoi, il y a une semaine, avec un ventilateur tout neuf pour 10 balles. Quand on voit la canicule, je me dis que c'est pas négligeable. Quand vous avez un vide-grenier à côté de chez vous, que vous pouvez y aller, il faut y aller. Hein. Vous prenez 10 balles et vous y allez. Hein. Ça suffit amplement des fois. Hein. Alors moi, je considère que tu peux très bien te reposer la semaine, même en... Enfin... C'est moi. Hein. Moi, je dors de 21h jusqu'à 6h30 du matin tous les jours, même le dimanche. Donc... C'est pas ce qui me dérange le plus. Quand t'as un rythme et j'arrive pas à dormir plus de toute façon. Donc autant que ce soit utile à quelque chose.
Bah, même quand j'en avais des 12 heures d'amplitude, hein, Marine, hein. Quand j'étais à ESH où je commençais à 8 heures du matin et que je finissais à 7 ou 8 heures, enfin une année, je finissais à 6h30 ma journée. De 8 heures du matin jusqu'à 6h30, c'était quand même une sacrée amplitude horaire. J'ai connu hein, les horreurs à la mort moelle-neuve, hein. Aussi quand j'étais à la fac, j'avais des cours jusqu'à 7h et 7h30 du soir. Donc si, j'ai bien connu ça, t'inquiète pas, je comprends que t'aies des amplitudes horreurs à la mort moelle-neuve, hein. Surtout qu'il y a des fois, il pourrait largement plus t'optimiser ton emploi du temps. Bien le bonjour. Il me semble bien avoir entendu des bruits de pas. Je commençais à croire que j'avais rêvé. Ah, je m'appelle Magmatode. Bienvenue dans la fournaise. Fais comme chez toi. Mais non, mais c'est franchement, je vous assure, c'est si vous prenez l'habitude de vous lever à une certaine heure et que vous gardez cette habitude tout le temps, ben à un moment, votre corps il réclame plus de sommeil. Ok, les objets, je m'en fous. Moi, c'est plus l'équipement qui m'intéresse. Hop! Qui veut du Star Fox? Enfin, je crois que c'est du Star Fox. Il y a peut-être du Metroid là-dedans? Non? Ça ressemble au vaisseau de Stitch. Alors oui, je suis une marmotte, je fais de 2 à 22h, mais je me lève tôt. Donc je compense. F-Zero? J'aurais dit Star Fox. La preuve que j'ai pas joué à ces jeux-là quand j'étais petite. Ouais, ouais. Après, voilà, tu vas plus tomber, toi, du coup, 10-11 heures, ce sera plus des romans, des choses pour la maison, plutôt que les jeux vidéo, pour le coup. Les gens, c'est les premiers trucs qu'ils cherchent, hein. Ça, plus les jouets anciens. Ah non, je cherche pas à faire un numéro de contorsionniste. Ben, le meilleur moyen, Wikid, pour avoir des heures de sommeil, c'est de faire des choses la journée. Il faut que tu fasses des choses qui te fatiguent. Comme dit Marine, hein, avoir des journées bien chargées, ça aide à dormir. Un tour de magie? C'est ça mon lit? Sérieusement? Donc il n'y a pas d'équipement. Il y a la protection, mais il n'y a pas les armes. On sauvegarde. C'est important de sauvegarder. Bon, avec tout ça, moi je suis déjà à 14 heures de jeu, mais j'ai pas récupéré d'étoiles depuis 4 heures. C'est quoi ce beans? C'est pour ça qu'il faut enfin, il faut se vider l'esprit avant d'aller se coucher. Moi j'évite de penser à des choses, je me mets des vidéos ASMR en ce moment pour éviter de penser et ça fonctionne plutôt bien. Sinon, faut prendre un journal intime. Ça aide aussi à extérioriser ses inquiétudes. Et ça recommence.
Allez. Sinon, faut faire comme moi, faut parler de ses soucis là à quelqu'un. Il est où d'ailleurs ton projet de faire des lives, Wikit? Il en est où? Tout ce que je dis, je suis d'accord, Marine. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des solutions pour se déstresser. Il faut juste savoir trouver celle qui nous correspond. Raté. Fais-le, Wicked, qu'est-ce qui t'en empêche? Et ta vidéo, elle est où? Ouais, je sais, je suis chiante avec ça. Mais je te promets que ça peut te faire que du bien. Enfin! Voilà! A big flame. Oh, mais pendant 10 secondes, j'ai cru que c'était un dragon de... en ballon. Oi, oi, oi. Non, j'ai pas la ref, j'ai jamais joué à Mario World. Ah si, une fois, mais pas assez pour le voir. Tu sais pas faire quoi avec les miniatures? Faut me demander quand c'est comme ça. Sur Canva, t'as directement des miniatures qui sont préenregistrées. T'en prends une, tu supprimes 2-3 trucs, tu la modifies la couleur et c'est fini. Non? Ça va pas? Tu t'arrives pas à faire quoi?
Eh ben, je te montrerai après. Je vais me mettre sur mon canevas et je vais te montrer comment je fais. Je te montre ça après. Dragon squelette. On parle de Peach qui marche dans la lave? C'est fini! Yes, we did it! C'est gagné! Et Peach level up! Alors, je prends 2 secondes. C'est ça que je veux. Comment ça, tu retiendras pas? C'est pourtant super facile! Je te jure, t'as deux clics à faire! Promis! T'as 2 clics à faire! Déjà, il faut aller. Déjà ici, tu vois. Tu vois afficher ici vignette YouTube. Ensuite, sur le côté, tu regardes. T'as plein d'options. Sur le côté. Et là, t'as design. Et là, t'as plein d'exemples de miniatures, de vignettes. Admettons, t'en choisis une. Oh, c'est pas grave, ça me prend 10 secondes. C'est pas grave. Admettons que... Voilà. Hop. Non, on va peut-être pas prendre celle-là, elle est payante. On va en chercher une sans la couronne pour qu'elle soit gratuite. Et admettons celle-là. Ensuite, tu cliques sur les éléments, tu peux les supprimer. Tu peux changer les couleurs.
Et si tu veux importer des trucs, t'appuies là sur importer. Point. Voilà, t'es fini. T'as tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire tes miniatures. Voilà, t'es tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ça m'a pris 2 minutes. Et on continue. Ouh, ils sont moches. Ouh, qu'ils sont moches. Oh, ça fera une super miniature, ça. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Hop. C'est très moche. Hop là. Non, je suis pas d'accord. Rends-moi ça, c'est à moi ça. On a eu l'étoile. On est trop fort. On est trop malin. On est trop beau. Tirons-nous maintenant. Rendez-moi cette étoile, elle est à moi, c'est va pas. Et rouge, regarde là-bas, la moustache la plus ridicule de toute l'histoire. Il a l'air fin. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Mario niveau moustache. C'est Mario, espèce d'andouille. Écoutez, vous autres, on doit ramener l'étoile à la grande hache sans s'attarder. Sans tarder, on s'occupera de Mario plus tard. Non, rendez-moi ça, c'est à moi. Ici, il doit y avoir un truc. Non. Oh là, on sent les empotés de service. Rendez-la-moi! Elle est où la grande hache? T'inquiète, elle va pas tarder. T'es sûr? Relax, Max. Rouge, Mario est là. Il arrive trop tard. La grande hache est toujours pas là. Mais tu vas te taire? Go, go, Power Ranger! Ah ouais, c'est ça la grande hache? En fait, c'est le vaisseau de Bowser qui a été revu. On bosse pour le mal. On vit pour le désordre. On se bat pour le chaos. Et on adore ce qu'on fait. On est la bande des Clash. Ce fragment d'étoile est source d'espoir. Il doit être détruit.
Ouais, j'aime bien cette attaque de Peach. Raté. En noir, tu tombes KO toi ou quoi? Eh, rouge, quoi? Les lunettes de soleil sont fendues. Ça me fait une belle jambe. Oh, j'ai la tête qui tourne. Hé, hey, rouge! Quoi? Je peux plus bouger, j'ai trop faim. Mange ta langue! Méga soin. Hé, hey, rouge! Quoi? Je suis en train de perdre mon maquillage. Il suffit de pas en mettre. Glaciation. Ça suffit maintenant, j'en ai ma claque. Il est temps d'en finir. Formation ultime. C'est parti! Charge maximale atteinte. Maintenant. Faisceau fatal. Oh là! Faisceau fatal. Oula! Ne reste que Peach. Ok, ils sont chiants. Recharge encore. Technique, non pas technique, objet, sur au royal, ouais. Hop. Ah.
Il doit y avoir une erreur, on est invincible. La bande des Clash ne peut pas perdre. Ouah! Ça y est, la grande hache, elle est en train de s'effondrer. Oh my mamma mia. Mamma mia. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Et enfin, l'étoile rouge. J'espère qu'elle va rester avec moi pour le coup. C'est bon cette fois? On la récupère, c'est bon? Ouais! Mais là, il y en a que 6, il m'en manque une, celle du centre, ok. Ah, c'est dommage que j'ai pas pris le temps, mais j'aurais bien fourgué une musique de Power Ranger le temps qu'on était en combat. Il faut que je voie à ça. Vous avez récupéré 6 fragments d'étoiles. Où peut bien se cacher la dernière? Au château de Bowser, va. Alors maintenant, ce qu'il faut que j'aille par là. Ouais, elle est quelque part, l'étoile. J'avais pas fait gaffe, vous aviez remarqué, vous? Peach, Mario, Malo, Geno, Bowser, j'avais pas fait gaffe. C'est ça la chambre du roi? Il dort où? Prince Malo! Encore merci, si on a pu sauver mon père, c'est grâce à la clé que tu nous as donnée. Je n'ai fait que mon devoir. Et puis sans vous, ce passe-partout n'aurait sauvé personne. Bonne chance pour la suite. J'allais dire la même chose. Ah, Prince! Tenez, un petit cadeau de ma part. Vous avez reçu bac à fleurs. De quoi? T'as pas encore dit quoi? Mens pas! Tu as trouvé l'étoile, mon chéri? Oui, la bande des Clash a essayé de nous la voler, mais on a réussi à la récupérer. C'est formidable, vous allez pouvoir réparer cette fameuse voûte des étoiles, alors non? Ah non, il vous manque encore. Ah non, il vous manque encore un fragment, je vois. La dernière étoile. Elle doit être au château de Bowser, c'est le seul endroit où vous n'avez pas encore cherché. Qu'est-ce que je disais? Oui, mais le pont est cassé et on ne sait pas comment entrer. C'est sûr que Mère Mario ne peut pas sauter aussi loin. Ne t'inquiète pas, on a la solution. J'allais le dire. Vous n'avez qu'à utiliser le bus royal. Raté, c'était Arine qui parlait. Oui, tu es en âge de prendre le bus maintenant, mon petit Malo. D'ailleurs, quand j'avais ton âge...
Vraiment? Je peux monter dedans? Bien sûr, mon chéri. J'ai demandé au mécanicien de le remettre en service. Vous devriez pouvoir partir avec. À toi d'aider Mario et les autres à récupérer la dernière étoile. Compte sur moi, maman. Viens, Mario, on y va. Let's go prendre le bus. Pas plus cher. Non, je sais pas parler belge. Asti belote. Oh, ce sera une, bientôt une... Si un jour j'arrive aux 50 abonnés, ce sera une récompense. T'inquiète, tu m'entendras bientôt plus. Le bus a été remis en état, il va pouvoir reprendre du service. Prince Malo, on va au château de Bowser. Vous pouvez nous déposer? Sa Majesté Nimbus m'a tout raconté. Vous y serez en rien de temps. Ah, le voilà qui arrive. Ok. Pourquoi on réparerait un nuage? Faut m'expliquer. Il a été coupé en deux? Alors, tout tourne comme il faut? Oui, il ronronne comme un chaton. Tu veux bien déposer le prince Malo à l'entrée du château de Bowser? Avec plaisir, ce petit bijou ne demande qu'à transporter du monde. En voiture, prince! C'est bon, tout le monde est à bord. Alors en route. Oui, c'est un Lakitu. Avec une belle casquette de conducteur de bus. Avec une moustache. Tac. Ah, un délicieux fumet de la lave, le délicieux fumet de la lave fumante. Ça fait du bien d'être chez soi. Ce créneau de bourge, ce créneau de bougre de forgeroi va regretter de m'avoir mis dehors. Ouf, pardon. Tabernacle. Ah mais non, c'est vrai. Paratroopa XXL. Ah, si tu veux, Marine. Mais je suis pas convaincue qu'avec le micro que j'ai actuellement, ça aille bien. Déjà que je trouve que vous m'entendez trop parler du nez alors que je ne parle pas du nez.
Dodo Tam Tam. Je vois plus que deux personnes en train de discuter sur le chat. Bouhou, bouhou, bouhou. Je pleure, je pleure. Et vous inquiétez pas, j'ai ma boîte de mouchoirs à côté de moi. Oula. Pouic. Il a été mal codé, je crois, ce Goomba. Non ? Oh bah t'inquiète, il me reste une demi-heure de live et c'est dodo. Oui. Je sais même pas ce que j'ai gagné. Oui, toi, tu es un porte-manteau, tu fais partie des meubles. Ah oh, non, encore lui. Oh, le dino chiant, lui. Oh mon dieu. Ouais, viens m'embêter. Ouais, faut venir m'embêter, c'est plus drôle. Hop, on lui monte dessus. Eh hey Mario, t'as sauvegardé au moins? Ça va pas rigoler là où tu vas maintenant, alors tu ferais bien de sauvegarder un coup, sinon tu risques de le regretter. Besoin d'un objet? J'ai des tas de trucs à vendre. Coco, j'ai déjà tout acheté. Non! Y'en a qui n'a le droit. On est à la fin là? Tu crois qu'en une demi-heure je l'aurai fini? Il y a 6 portes. Besoin d'une explication? Oui. Je présume qu'il faut passer parmi une porte, mais. Parmi ces 6 portes. 2 débouchent sur des parcours d'adresse. Vous aimez l'action, n'est-ce pas? 2 autres débouchent sur des parcours de combat. Vous aimez la baston, pas vrai? Je préférerais la baston. Et les 2 dernières portes débouchent sur des parcours de réflexion. Vous aimez me creuser la tête? Une fois que vous avez choisi un parcours, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous devez le terminer, sinon c'est perdu. Je voulais choisir, à partir de maintenant, la première porte que l'on va prendre. Des 6 parcours pour pouvoir continuer. Allez, entre 1 et 6, annoncé. Alors, je vais commencer par la 3, puis la 6, puis la 1, puis la 4. Vu qu'apparemment, il faut réussir 4 parcours. Hop, on commence par la 3. Salutations, docteur Winner, maître des quiz à ton service. Tu aimes les pièces, alors ce petit jeu devrait te plaire. Tu veux que je t'explique le principe? Oui. Il y a 21 pièces dans ce coffre. On va en retirer un certain nombre chacun à notre tour. Celui qui... Oh, c'est ce genre de truc. Alors, il y a une technique. Mais je me souviens plus. Je l'avais fait dans Tales of Phantasia. Pour gagner, rien de plus simple, il faut que quand c'est à lui de jouer, il reste un nombre multiple de 4 plus 1.
Ouais, en gros, faut que ce fasse 5 à chaque fois, quoi. À quoi, je regarde la solution de Fantasy, de Tales of Symphonia, c'est pas de la triche. Celui qui retire la dernière pièce perd la partie, c'est simple. On peut retirer jusqu'à 4 pièces par tour. Si tu veux en retirer seulement une ou deux, appuie sur A pour passer la main. Ok. Deux. Merde. Faut le laisser commencer, ce sera plus simple. Quatre et quatre, huit. Je compte pas, ça m'énerve. Oui, je sais bien qu'il faut savoir compter, mais vu l'heure qu'il est, j'ai du mal. Dans cette salle, les interrupteurs magiques sont à l'honneur. Et tu veux que je t'explique le principe? Oui. Quand tu sautes sur un interrupteur, ça affecte aussi ceux qui se trouvent tout autour. Les interrupteurs désactivés, ça baisse, et vice-versa. Tu piges? Tu crois que tu arriveras à baisser tous les interrupteurs? Hé hé, on va le savoir tout de suite. Bête.
suis mal parti. J'ai fait n'importe quoi! Ouais, ben, vous savez quoi, on va passer à la porte 6. Douze questions, douze bonnes réponses, et ça monte à chaque fois d'un cran. L'écran du menu, quelle est la quatrième option en portant du haut? Technique. Raté. Qu'est-ce que Crystax? Il vive un monstre père. À combien de temps attendre le couple se marier dans la salle des fêtes? Une heure. Raté, je sais plus. Quand il a... C'est rien, moi, des gommages! De quelle couleur est le bec de Dodo? Il est orange. Ah non, il était jaune et orange. Nom complet de Johnny Pirate. Johnny James... Se prendre en photo à la cité des noces. Qu'est-ce que Malo devait ramener à Batracius? Qu'est-ce que le grand méchant de ce... bonjour roi. De quoi Bordeaux est-il sorti? Ah merde. Je fais n'importe quoi, ça m'énerve. J'aime pas faire ça dans la précipitation. Je fais n'importe quoi. Kamek! Ouais, mais du coup, c'est pas drôle. C'est juste que je prenais pas le temps de lire. On m'a annoncé 5 secondes. Je me dis à chaque fois qu'il faut que je me presse, donc je lis en diagonale. Et du coup, je lis les réponses comme il faut pas. 5 secondes, c'est pas. C'est tout est fait pour te stresser en fait. Dépêche-toi, Kamek. Oui, j'ai compris. Allez, go. Le crapaud dans le marais, il était vert. De Batracius, le grand-père de Malo... Il y avait un chapeau mauve, je crois. Mauve ou rouge, je sais plus.
après qui dort dans le lit au château, mais si ça lui, je... Ne demandez pas le nom des villes, j'en ai pas retenu une seule. Plus du tout. Mais il faut dire que je n'ai plus de mémoire, alors ça n'aide pas. Ah non, mon téléphone il est là-haut. Je l'ai pas en fait, c'est pour ça que je l'ai pas vu. J'essaie, je t'avoue, d'avancer vite pour qu'on puisse voir la fin du jeu ce soir, mais je pense que ce sera mort. Non, là c'est chiant. Encore me voir galérer, c'est rigolo, mais là... Masquer les Rex, tout ce que j'aime pas.
toi qui n'as même plus le temps de réagir. Pareil, les personnages, presque tous les combats, je gagne un niveau. 4 heures de jeu, sérieusement? Pourtant, sur How Long to Beat, ils annonçaient 15 heures de jeu pour le finir. Je croyais que c'était 30 le niveau max. Mousquetoile. Dis-toi que Peach, le seul équipement qu'elle a, Peach, c'est... Elle a trois trucs, quoi. Prête pour le boss. Comment ça? Du coup, on avait dit en premier le 6 que j'ai pas fait, donc on va... Non, sur le 3. On va retourner sur le 3. Bon, et de une. Alors, je sais que ça, si j'appuie là, ce sera ça. Si j'appuie là, ce sera ça. Essayons par là. Puis par ici. Ça.
ça. Et comme ça. Des bouboules. Dans cette salle, honneur au poulet. Et plus précisément au poulet solitaire. Oui. C'est très simple. Quand tu frappes un poulet, il rebondit sur le poulet voisin qui lui disparaît. Ta mission va disparaître les poulets jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le poulet que tu frappes ne peut pas atterrir sur une place déjà occupée. Il doit forcément rebondir sur un autre poulet. Comment je dois le frapper ? Mais le truc, c'est que je sais même pas comment on tape en fait. Je peux rien faire là. Pourquoi avec celui-là qui me dit frapper ? En fait, là, je suis surtout à la recherche de trucs que je peux taper, en fait. Mais je suis foiré. J'ai réussi, j'ai pas compris comment j'ai fait. Alors, la 6 est faite, la 1 est faite. La 3 est faite, la 1 est faite, la 6. Combien de temps a attendu un couple qui souhaite se marier dans la salle des fêtes? On a dit une heure tout à l'heure, c'est pas passé. Une demi-heure. Quel est le nom du chef pâtissier de la cité des noces? Coup pâtissier. Lequel de ses ennemis n'apparaît pas dans la tour de Booster? Gugus, coup patrouilleur, coup Gugus. Qu'est-ce que Cristac, il vive à monstre père? Combien de sous-fifres sont aux sortes de croco? 4. D'abord. À quoi ressemble Crabotte? Crabotte, t'as une carotte? Carabotte. Booster n'est pas le premier du nom. Quel est son nom officiel? Le 8e, je sais plus. Qui est le chef de la bande des Clash? Clash Rouge. Qui est le grand méchant de cette aventure? Forgeroi.
Et quel est le premier ennemi que tu as causé à la crypte des tuyaux? Oh, c'était laquelle ce truc? De quelle couleur sont les réseaux de la maison de Mario? Bleu. Mais je peux pas sortir. Non, pas besoin. Quelle est la couleur des rideaux du Mario? Bleu. Quel est l'effet de l'essence rouge? Elle donne de la force. Quel est le nom du mari de moi? C'était Toam. De quoi se plaignent ceux qui chantent le blues de Topin? Ils se plaignent pas d'en avoir plein le dos, de devoir creuser dans la mine, d'en avoir plein le dos? Non. Comment s'appelle le célèbre compositeur du lac Tétard? Todovski? De quelle couleur est le bec de Dodo? Il est jaune. Quoi? Je sais plus. Journal? Attends. Elle cueille des fleurs. Quelle est la boisson préférée de Johnny le pirate? Jus de raisin? Qu'est-ce que le nom du chef pâtissier? Ça, c'est coup pâtissier. Allez, dernière tentative. On essaie de passer ce quiz de l'enfer. Non, je veux pas. Non, non, dégage! Coup pâtissier. Quel est le prix du scar 50 pièces. Une pièce de grenouille. Merde. De quoi se plaignait chante le blues de Topin? De devoir creuser dans la mine. Pour Dina qui est mythe. Donne de la force. Qu'est-ce que... Oui, Zabi vive un monstre père. Que disent les bezos quand ils chantent la la li la la. Quel est le grand méchant de cette aventure? Forgeroi. Quel est le mot de passe qui permet d'accéder au roi calamar? Perle. Comment s'appelle l'action en trio de Mario, Peach et Mallow? Arc-en-ciel? Je sais pas. Quel est le chef de la bande des Clash? Clash Rouge. Quel est le nom du mari de Moa? Toam. Je vais persévérer, au pire on reprendra vendredi. Ah, je veux pas qu'on m'explique, mercredi. Dégage, 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 oui, dégage. Ou pâtissier. Qui est le chef de la bande des Clash? Clash Rouge. Comment s'appelle le célèbre compositeur du lac Otédar? Todovski. Quelle est la boisson préférée de Johnny le pirate? C'était pas le jus de cassis, peut-être enfin, le jus de raisin, peut-être le jus de cassis. Que déteste le type qui fait prendre en photo au Cité des Noces? Faire prendre en photo. Où est cachée la première étoile? Au château champignon. De quelle couleur sont les rideaux de la maison de Mario? Bleu. De quelle couleur est le bec de Dodo? Rouge. Ou d'être persévérante et de recommencer pour la 10e fois. À force, tu retiens les réponses. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Si tu sais compter, tu as 10 secondes pour me dire combien de tonneaux il y a dans cette pièce. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Comment on fait pour donner la réponse? Tu as 20 secondes près. Oula! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là 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 là. 4 et 4, 8 et 4, 12.
Et 4,16 et 4,20 et 4,24 et 4,28 et 4,20 et 4,32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42. Ouais, j'en compte. Plus de 41. Raté. Bon, bref. Je m'arrête là pour ce soir. J'arrive plus à me concentrer. Pourtant, c'est pas faute de. Ouais, non, mais oui. Je vais aller me coucher. J'en ai un qui hurle là à la mort. Je vais voir si je peux le papouiller un petit peu s'il veut bien. Je l'ai un peu traumatisé, le pauvre chat. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus me voir jouer à Super Mario RPG. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère surtout que ça n'aura pas été trop chiant parce qu'à certains moments, c'est vrai que j'étais pas trop dans le chat. Mais bon. Hop, sur ce, moi je vais vous laisser là, je reprendrai ce quiz demain. Faudra me rappeler l'ordre de passage des portes. On en a fait 2 sur 4. Donc on verra ce qui se passera vendredi prochain. Je pensais le finir ce soir, mais pas du tout en fait. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et... Diana !